Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon let's play sur Hi-Fi Rush. La dernière fois on a fait un petit peu le tout début. Bon, c'est un jeu de plateforme mitonné avec de la musique. Ça m'a même fait penser à pas mal à Ratchet dans la façon de faire. Bon, pas dans les combats avec le rythme, mais dans le fait de récupérer des boulons et autres petites choses. Allez, on va continuer, on va voir ce qu'il va y avoir dans ce deuxième épisode, dans cette suite. Allez, let's go! Le minou! Oh, 29 minutes et 22 secondes! Un nouveau départ, le 8 février 2023. Donc vous voyez à quel moment j'ai fait cet enregistrement. Allez, let's go, on continue. Oh, le minou. Le minou, il pète des notes de musique. Allez, hop là. Bon. Ah, faut aller là. Hop là, double saut. C'est là-bas? Ah, c'est là. Hé, hey, salut go. C'est vraiment un jeu de plateforme, hein. Ouh, un coffre. Ah. Bon, c'est quoi? Pièce brisée d'un réservoir de vie. Ok, bon. Bon, il y a des petites séquences comme ça, sympathiques. Alors, bien sûr, il y a toujours les trucs qui m'énervent. Ah. Oh. Moi, j'ai plutôt réussi celui-là pour une fois. RB pour esquiver. Ah, d'accord. Il y a quelque chose là-bas peut-être. On va aller voir. On va aller voir quand même. Ah ah. Des pièces. C'est quoi ça? Une pièce de noyau réverbération. Bon bah ok. J'ai bien fait. Allez, allez. Wow, des piles. Faut que les touches me reviennent, hein. Wouh. Et là-bas, il y a quelque chose. Et des pièces. Bon, bah on va avancer, hein. On va essayer de ne pas se faire écrabouiller. Ça serait déjà ça. Je crois que je me suis fait écrabouiller. Waouh, j'ai eu chaud là encore. Waouh, c'est un jeu de. C'est un jeu de plateforme. Ah, y a plus de piles. Y a plus de piles. Ça doit être le générateur. Tu peux le réparer? On a des outils? Des outils? Ah, j'ai une meilleure idée. On va le frapper. Ah. Mais qu'est-ce qu'il vaut vert?
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? T'as une meilleure idée, mais je comprends rien. Ah, il y a un truc que je fais pas gaffe. Raté. Raté, mais raté quoi? C'est avant ou après? Ça va m'énerver ça. Mais raté quoi? Dites-moi là les gars, vous êtes gentils là. Alors. Oui, je ratais parce que j'appuyais pas sur la bonne touche. Merci PlayStation Xbox. Le X, c'est en bas sur PlayStation. Bah non, le X, il est... Ah, il a été plus rapide celui-là. Suffisait de demander. Ça va mieux quand on se gourre pas de touche. Wouh! Wow. On est grillé. Rika est au courant. Ah. Désolé, désolé. Il voulait pas m'énerver. Ça ne se reproduira plus. Laissez-nous partir. Alors, on va aller là-bas, on va aller voir, il y a des caisses à péter. Bon bah c'est là-bas. Il y avait la flèche de toute façon. Rappel, les congés maladie doivent être demandés 6 mois à l'avance. Ouais. À ces risques, les demandes des employés robotiques seront refusées. 6 mois à l'avance, les congés maladie. Ouh là là! Fight! Ouais, mais c'est quoi? Kaboom! Alors il y a un passage là-bas. Les ennemis résistants ignorent vos attaques tant que vous n'avez pas brisé leur jauge d'étourdissement. Ok. Vous brisez la jauge d'un ennemi, vous devez l'attaquer sans relâche. Ok. Bon bah c'est en gros ce que j'ai fait. Hein. Là, on va aller chercher ça là-bas. Ah! Ah! Bah qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je l'ai eu. Maintenant, il faut revenir. Bon, c'est bon. Ah, c'est rythmé, hein, ça, y a pas de doute là-dessus. Hop là, salut les gars!
Ah, mais c'est quoi ça? Ah, c'est horrible! C'est zéro niveau détente, ces jeux de rythme. Faut tout le temps le timing parfait. Je vais m'y remettre, juste une dernière. Hey, j'étais en train de battre mon record. Faut aller en bas. Et si vous combiniez attaque rapide et lente pour un max de combo et de coups en rythme? Oh c'est yeah pas pour l'essayer. Ah bon? J'ai pas trop envie d'essayer, moi j'ai envie de jouer. C'est quoi ça? Tuto combo. Mélangeons d'abord attaque rapide et lente. Le timing est serré. On peut aller voir. Bien. Yeah. Go! Vous êtes super doué pour ça! Merci, mais je le ferai pas souvent. Je suis doué, mais je le ferai pas. Ouh, des boulons, des boulons, des boulons! On y est presque. Et il veut pas que j'ai le p... Kaboum! Un trophée, enfin un succès. Le rythme dans la peau. Yeah. Oh, les belles notes. Ah là, j'ai eu des belles notes. Hey, je commence à m'y mettre. Regarde, la sortie. Je l'avais dit, Fastoche. C'est un piège, crétin. Ils ont tout prévu. Ah ouais? Eh ben, j'espère qu'ils ont prévu assez. Eh, je commence à m'y mettre et je commence à l'apprécier. C'est la musique, je crois que ça fait tout, là. Le rythme. Oh là là, serais-je en train d'aimer un jeu Xbox? Ah ah! Qu'est-ce qui m'attend là-bas?
Tu vois, j'en étais sûr. Tout baigne. Tu stresses trop. Non. Elle est forte. C'est la boss de la prod. Oh non. Te voilà, petit bonhomme. On embête l'équipe de Reka, sa production, et pire que tout, ouais, on trouble son historique parfait sans anomalie. Ta sécurité voulait me faire la peau. Projet Armstrong, CLUF. En tout petit, il faut tout lire, morveux. On traite les anomalies. On traite? On tue, ouais? Reka choisit pas les mots. Je laisse ça au bigle du marketing. Enfin bref, merci d'avoir été assez stupide pour venir ici. Mais Reka ne doit pas se salir les mains. Je te l'avais dit. Bienvenue au contrôle des anomalies, petit bonhomme. Niveau qualité, on a tout sous contrôle. Oh là là, qu'est-ce que... Oh là, c'est quoi ça? Un boss! J'aime les anomalies. C'est bien. J'aime le goût qu'elles ont. Ça, c'est pas bien. Niveau d'inspection, 1 million. Oula. Viens par ici, mon grand. Viens là. Il a les mains hyper sensibles pour les contrôles. Drôle de façon de dire rappeler. Mais ok. Ça a de la gueule! Ça a vraiment de la gueule comme jeu! Ah, il a eu mal là! Waouh, ça, c'est la claque. Ah,
Ah ouais. C'est malin. Qu'est-ce qu'il a? Wouh. Wouh. Après, je fais ça, je sais pas s'il faut. Ah ah ah, viens là, toi. Ah, raté. Ouais, je suis tombé. Il n'y a plus beaucoup de... Ouais, il est presque capoute. Alors, tu m'attaques ? Oh. Encore un succès. Wouh. C'est vraiment écrit point faible. Vraiment écrit point faible sur ce... Ah, je vais mourir. Chanson à une fin. C'est du God of War en même temps. Ratchet, God of War. Ne piquez pas les idées. Non, il est vraiment bon comme jeu, il est sympa, il est marrant. Encore un succès! Oh là là! C'est le troisième! Sur les chapeaux de rouge, je crois que c'était indiqué. Refrain A, B, 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 C. Oh là là, B, B, B! Bah dis donc, c'est bien ça! Et bah voilà, la piste 1, à première vue, est terminée. Alors il y a la piste 2. T'as vu ça?
Ouais, ouais. Mais cette fois, boucle-la et suis-moi. Il faut vraiment qu'on sorte d'ici. Je veux pas t'entendre, compris? Ça va, ça va. Ah bah, je suis bien content de faire ce let's play, hein. Tu as peur? Hein? Pff, mais non. Mais bon, il fait noir, quoi. Y a pas d'araignée ici, au moins. Genre, araignée-robot. Pas d'araignée-robot, par pitié. On y est? Par là. Eh oh! Miaobot? Un piège à corde? Tu sors d'où? D'un dessin animé? Alors comme ça, c'est là que tout se passe, hein? Je m'appelle Peppermint. Hé! Hey, cette voix! C'est toi, le chat! 808 me sert d'yeux et d'oreilles ici. Mais on dirait qu'elle t'apprécie un peu trop. Attends, j'y ai plus rien, moi! Debout, fainéant. On a du boulot qui nous attend. C'est bon, moi le poivré, Peppermint. Tu avais dit que tu allais m'aider. Oui, mais avant, tu vas enquêter sur Spectra avec moi. Je sais même pas ce que c'est. Oui, évidemment. On est sur du secret défense. Donc, sérieux? Oui, on veut dévoiler leur magouille. On est une petite équipe, mais... Du genre, juste toi et ton chat? Je vaux mieux que ça. Ça dit Rockstar, là. Tu sais jouer de la guitare, au moins? Eh ben, je... Que du blabla, donc. Écoute, ce campus mélange couloir, ascenseur et impasse blindée de garde. Tu sortiras jamais d'ici sans moi. Ça va, jusque-là, c'était plutôt... Mal parti, et encore, j'étais là. Si tu m'aides, je te promets de t'aider à quitter l'île Vendelay. Ok, si tu le dis... Parfait. Bienvenue dans la planque. Profitez de la planque pour faire une pause entre les missions. Par les acolytes, de nouveaux points d'intérêt se débloqueront à mesure que vous progressez dans l'aventure. Donc, pensez à revenir de temps en temps. Il y a des points d'interaction, ok. C'est ça, votre planque. Petite équipe, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est tout ce qu'on a. Et on a quand même un canapé. C'est le grand luxe, je vois. Ah, au fait, je pourrais peut-être t'aider au niveau amélioration si tu trouves des pièces de rechange. Ouh, ça tombe bien, j'en ai. Un peu avant de sortir. Éclatez-les tous! Oh, parfait, niveau 1, ça c'est fait. Première vue. Le plein. Niveau 1. Soin visage enlevé. Bon, je sais pas ce que c'est que tout ça là. Sauteur appliqué. Ah bah c'est les. C'est régu. C'est les trucs qu'on doit faire au fur et à mesure qu'on joue. On a des jauges. Bon. Bonjour madame! Je suis pas la reine de la Tech Vendelay. Mais je pourrais te donner un peu plus de peps avec quelques pièces. Plus de peps? Tu peux préciser? Ah, on peut améliorer le truc. Ah oui, toi. Notre personnage. Tu peux apprendre de nouvelles attaques ici. Ok. Il suffit de les acheter. Là, ouais. Tu peux apprendre de nouvelles attaques spéciales. Il suffit de les acheter. Chaque attaque requiert une certaine quantité de réverb. Donc, vérifie ta jauge avant d'en acheter. De plus, tu ne peux pas utiliser toutes les attaques spéciales. Il faut les équiper. D'accord. Je vois. Choisis l'attaque que tu veux et t'es paré. Ouais. Et enfin, voilà des objets pour les améliorations permanentes. Et ça? J'ai une idée qui m'est venue comme ça. Mais c'est encore à l'état de prototype. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec du matériel. Ne me sous-estime pas, je suis capable de bien plus que ça. Bien?
Là, c'est le moment calme, hein. Une jauge de vie. Un emplacement d'attaque spécial. D'accord, et ça? Ah oui, faut appuyer, c'est vrai. J'avais oublié qu'il fallait appuyer. Moi, je croyais qu'il fallait faire bas. Ça, ça donne des soins. Et là? Ok. Ça, c'est le genre de truc que je vais... Par contre, ça m'intéresserait bien, ça. Ok. Bon. Une attaque... je peux plus maintenant, alors... Par contre, je vais prendre des attaques. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Salle de répétition, parler. Ok. On va parler un petit peu. Puis après, je pense que je vais arrêter. Pourquoi tu m'aides? T'aurais très bien pu me laisser seul là-bas. Pourquoi tu m'as aidé? À part sauver 808. La façon dont tu as battu la sécurité, c'était assez impressionnant. Donc tu pensais pouvoir m'utiliser? Je sais pas si on peut dire ça. Si, je pense. C'est plus compliqué que... À vrai dire, je m'en fiche. Tant que tu m'aides à quitter cette île... Ok. Alors, cette 808, tu l'as créée toi-même? À la base, je partais sur un drone, mais je me suis dit que personne ne soupçonnerait un chat. C'est vrai qu'un animal métallique qui miaule, c'est pas suspect du tout. Oh. L'avantage, c'est que ça fait un peu de compagnie. Ça doit pas être toujours la fête, ici. J'ai l'habitude... Une aqueuse solitaire au passé mystérieux. Pas cliché du tout. Dit l'éternel tir au flanc, qui n'attendait que le feu des projecteurs. C'est assez vide ici. T'es pas trop déco, hein? Je me concentre sur l'essentiel, ce dont j'ai besoin. Dommage, il y a du potentiel. Quelques posters, une chaîne Hi-Fi et une batterie dans un coin, et voilà. C'est une base d'opération, pas un squat. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, tu seras le responsable Feng Shui, si tu veux. Bon, bah voilà. Après, je sais pas ce que c'est que ces trucs-là. On va faire un petit peu le tour. Apparemment, il y a des missions. Ah, c'est quoi ça? Ah d'accord, c'est les objets que je peux trouver. Ok, il n'y a même pas une console. Le Panthéon, réussissez les défis pour... Ok, c'est les récompenses. Ok. Et si on veut faire la suite, on va où? C'est quoi ça? On va essayer la salle de répétition et puis j'arrêterai là. Je te conseille d'essayer tes nouvelles techniques. Ok. Hein? Quoi? D'accord. Je plaisante. Préviens-moi. Ok. Bon, on va essayer les nouvelles techniques. Ok. Bon. Eh ben, je sais pas où il faut aller pour la suite. Ça s'annonce mal. Ah, c'est peut-être le canapé. Niveau suivant. Yeah. Eh ben, moi, je vous propose de faire le niveau suivant, bah, la prochaine fois. Je crois que je vais rester là encore un peu. Oui. Eh ben, en tout cas, bah, ça me plaît de plus en plus, ce jeu-là. J'aime bien le rythme. Le boss a été vraiment grandiose, je trouve.
Il y a un petit mélange quand même de Ratchet dans son ensemble. Et puis là, avec le boss, un petit côté God of War quand il a voulu le massacrer. Donc, après, bon. Il y a beaucoup de jeux qui font ça quand même. Hein. Eh ben, ça m'a bien plu. Ce deuxième épisode m'a bien plu. Ça m'a conforté dans l'idée de faire ce let's play. Donc, je vais continuer. Et je vous dis à la fois prochaine. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire ou avec un petit pouce bleu. Et puis si vous avez découvert ma chaîne et vous voulez en voir plus, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous et il y a la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Moi, je suis bien content, je suis réconforté, je sais que je peux foncer pour ce jeu pour faire le let's play. Allez, je vous dis à très vite, à bientôt pour la suite de mes aventures sur Hi-Fi Rush. Salut, salut tout le monde, et encore merci d'être venu. Salut. Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.